Pour préserver cet environnement, une équipe du Parc naturel régional assure des missions quotidiennes. Le golfe du Morbihan, c'est une zone importante pour la biodiversité marine, terrestre, un petit concentré de biodiversité qui est très intéressant. Et aussi beaucoup d'hommes qui travaillent, qui habitent, qui viennent en vacances. Et du coup, le but n'est pas d'interdire aux hommes de venir sur ce site. Par contre, si on peut faire en sorte que les hommes ont le moins d'impact possible sur le patrimoine, c'est ça un peu l'objectif de notre travail, nous, au Parc naturel régional. Depuis quelques mois, l'équipe a installé un nouveau type de bouée pour amarrer les bateaux. Aujourd'hui, ils viennent vérifier que ce mouillage n'abîme pas la flore marine. Au bout de cette chaîne, Bertrand plonge pour vérifier l'état de santé des herbes sous-marines, appelées austères, typiques du golfe du Morbihan. Après une heure d'observation, Bertrand refait surface. J'étais remonté à un pied de zoostère, donc tu vois que... Là, il est beau, hein. Il est assez beau, il est assez long, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les fleurs... commencent à arriver. Voilà, commencent à apparaître. C'est plutôt des bonnes nouvelles pour nous, parce que nous, ce qu'on cherche à préserver, c'est la biodiversité qui est dans cet herbier de zoostère. Donc là, une bonne densité de d'herbier, une bonne longueur, des graines, des fleurs. Du coup, les premiers enseignements, c'est vraiment que ce mouillage a un impact positif, ou en tout cas pas d'impact négatif sur les fonds. Et notre objectif, c'est vraiment d'essayer de le dupliquer sur d'autres mouillages. On en a 7 000 sur le golfe. Et du coup, améliorer la biodiversité sous-marine du golfe du Morbihan. Si ces herbes font l'objet de tant d'attention, c'est qu'elles abritent de nombreuses espèces, dont l'hippocampe, le symbole du parc naturel. C'est au large de l'île d'Ilure que ce petit poisson à tête de cheval vit en plus grand nombre. Régulièrement, Ronan et Anne plongent pour mieux l'étudier. Mais l'animal se cache. Il faudra plus de 2 heures de recherche pour apercevoir un premier hippocampe. Anne a trouvé un hippocampe, Hippocampus guttulatus, qu'on appelle autrement hippocampe moucheté, qui a cette petite particularité d'avoir des ramures sur la tête, comme un chevelu, ce qui le rend encore un peu plus beau que les autres espèces. Et beaucoup pensent que c'est une légende. Quand on dit qu'on a des hippocampes sur l'île, qu'on peut voir, les gens nous disent « mais ça existe les hippocampes ?» Évidemment que ça existe dans ces herbiers zoostères. Et donc avec sa queue, il va enrouler sa queue autour des feuilles d'herbier. Donc cette espèce qui a une forme un peu bizarre, eh bien un poisson, avec la petite particularité que c'est le mâle qui porte les petits. Et donc le mâle a un gros ventre quand il porte ses petits. C'est une espèce protégée, voilà, vous n'avez pas le droit de la pêcher. Nous là, on l'observe, ça permet aussi de le montrer. On va évidemment le relâcher, le laisser dans son habitat naturel. N'importe quel plaisancier ou pêcheur n'a pas le droit de pêcher un hippocampe et de le ramener chez lui. Même si malheureusement ça arrive parfois. C'est bien une espèce qu'il faut laisser dans son habitat naturel si on veut pouvoir avoir la chance que nos enfants et nos petits-enfants puissent également l'observer plus tard.